Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Iliane et nous allons commencer notre première recette aujourd'hui qui sera de la mousse au citron avec notre amie Clara. Clara, quel ingrédient il nous faut pour une portion pour 4 de mousse au citron? Alors, 200 g de sucre, 3 œufs, 2 citrons, de la maïzena, un verre d'eau, et pour les ustensiles, un bol et une cuillère à soupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? En premier, on se lave les mains. Ouais, bon, ça c'est logique. Tout le monde le sait. Tu observais. Voilà. Alors, pour commencer, on sépare les jaunes des blancs. Alors, blanc des jaunes. Ouais. Je suis un petit peu enrhumé. Oui. Pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, demandez à vos parents. Si vous êtes déjà adulte, ne le faites pas. Donc c'est une nouvelle chaîne, enfin, on va commencer les vidéos, ce sera la première vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez, abonnez-vous, mettez des j'aime, commentaires, un peu de tout quoi. Pour qu'on continue, parce que on sait pas si ça va marcher, on espère. Ça fait un petit moment qu'on voulait le faire. S'il vous plaît. Ça fait un petit moment qu'on voulait le faire. Voilà. Oula, cette coquille est bien mal en point. Ouais. Je te félicite pour ton courage de réussir à faire ça. Wow. Parce que... Bon. Alors. Maintenant. Ensuite. Maintenant. On met les jaunes d'œufs avec le sucre. J'ai oublié, il faut aussi une fourchette. Oh zut, la recette va être ratée à cause de ça. Voilà. Il faut que ça devienne mousseux. Mousseux. D'accord. Avec grand plaisir. Hein. Donc là, ça commence. En fait, il faut juste qu'en fait le jaune d'œuf soit mélangé avec le sucre. Exactement. Voilà. Voilà. Ensuite, ouais. Tu t'es sali les mains, non? Maintenant, une cuillère à soupe de maïzena. Donc, au cas où, c'est ce qu'on met dans la fondue pour qu'elle ait sa consistance crémeuse. Exact. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fondue, c'est un repas suisse qui se compose uniquement de fromage, d'alcool et de maïzena et d'un petit peu tout. Et on trempe du pain dedans. Voilà. C'était la minute histoire de cuisine. Voilà. Oui. Vas-y, continue. Ensuite, il faut prélever un zeste de citron. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, oui. Alors, je vais prendre le citron. Ah ouais, il est un peu plus dur. Ah oui, on confirme. Voilà. C'est la cloche du village, oui, voilà. Donc je prends le zeste de citron. Donc c'est en fait juste une petite épluchure de citron.
qui est comme ça. Alors, ensuite. Bon, on sait pas trop quoi dire, parce que c'est notre premier truc, donc au bout d'un moment on va s'habituer, mais là on est un petit peu. Voilà. Voilà. Essayez, vous comprendrez. Donc, maintenant, il faut mélanger ça. Donc, le mélange de sucre et d'œuf jaune. De jaune d'œuf. Voilà. Voilà, et puis. Donc, on met à un feu petit. Un petit feu, on met. Oui, à 3 ou 4. Moi, je mets 4. Alors, ensuite. Donc, nous, c'est sur 10. Hein. Là. Et on mélange aussi avec. La maïzena. Wow. La voilà maïzena quoi. Et. Le zeste de citron. Voilà. Il ne reste plus rien. Et on mélange. Voilà. On fait cuire comme ça pendant combien de temps? Jusqu'à que ça soit. Bah. Un peu une crème. Donc, pour vous éviter ce moment terrible, nous allons couper. Enfin, nous allons faire une coupure et les moments les plus intéressants seront remis dans la vidéo. Alors, à tout de suite. Voilà. Donc, on a juste rajouté un petit peu de zeste de citron. Faut le mettre un peu plus, voilà. Voilà. Et maintenant, donc, ne vous étonnez pas si c'est très liquide, mais au bout d'un moment, ça va vraiment durcir. Faut retirer du feu. Il faut retirer du feu après. Alors. Et. Oh, c'est bon, tu peux laisser sur la plaque. Hein. Ouais, mais je préfère mettre là-dessus. Et ensuite, maintenant. Les deux citrons qu'on a enlevé le zeste, enfin qu'on a pris quelques zestes. Maintenant, on va prendre leur jus. Alors, prenons le jus des citrons. T'as pas une machine là. Je préfère le laisser sur la plaque. Parce que comme ça, au moins, c'est plus facile à utiliser. Voilà. Alors, je préfère enlever en premier les pépins. Comme ça, c'est déjà fait. Donc, ne pas cesser de mélanger. Hein. Ouais. Sinon, ça va pas prendre. Et puis, bah voilà, quoi. Donc, comme vous sentirez une délicieuse odeur de citron. Voilà. Alors. Tu veux que je le presse? Si t'arrives pas. Ouais. Non. Je te laisse prendre la caméra. Voilà. Bonjour. Bien. À une main, je suis Zeus. Faut faire ça avec tous les citrons. Je sais, hein. Tiens. Je peux pas faire 150 citrons à la fois. Tu enlèves les pépins après? Oui, bah enlève-toi. C'est des pépins qui rentrent dedans, on les enlèvera. C'est pas grave, ouais. Quand les personnes vont le manger, ils remarqueront bien qu'il y a un truc dur. Ça fait un peu mal à cette main. Justement, je crois qu'il y en a deux qui sont tombés déjà. C'est pas grave. Me pardonnes-tu? Oui. 3. Voilà. Faut mélanger après. Voilà. Attends, il reste encore le deuxième citron. Je sais. Et il y a les petits pépins dedans, si tu veux. C'est pas grave. On les enlèvera après. Ouais. Alors, le deuxième citron, à nous deux. Donc là, faut mettre à 1. Voilà. Cette main. Bon, la prochaine fois, enfin vous, je vous conseille de prendre un truc, ouais, pour presser le citron, parce que là, c'est comment dire, vous comprenez, assez compliqué. Surtout qu'on peut pas tout récupérer, mais bon, tant qu'il y aura du goût. Donc, on vous l'a dit, c'est une crème au citron.
Bravo. Donc là, on enlève tous les pépins. Enfin, si on arrive. Dis donc, t'es fort. Et voilà. Oui, il en reste un peu, hein, mais bon. C'est pas grave. Il y aura moins le goût de citron dedans, mais bon. Je jette les citrons ou bien on les récupère après? Non, tu peux les jeter. Voilà. Donc maintenant... Il faut verser la crème dans un saladier. Ouais, le saladier, tu en as un? Oui. Celui-là. Ouais, yep. Tiens-moi la caméra, s'il te plaît. Donc. Voilà, donc, vous versez toute la crème dans un saladier. C'est bon? Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de cette crème? Maintenant, avec la crème, il faut battre les œufs en neige. Ok. Donc, je préfère utiliser ceci. Petite machine, on met les œufs dedans et on peut les battre après. Voilà. Bon, on bat les œufs et on vous reprend. Voilà, donc... maintenant c'est. On a nos blancs. Voilà. Donc maintenant, faut mélanger délicatement pour ne pas casser les blancs. Donc voilà. Il faut surtout pas les casser. Hein. N'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que je fais de je mal? Je t'explique. C'est quand même bizarre les œufs. Hein. Ouais. Et là, on a gaspillé aucun œuf. Contrairement à certaines recettes où le blanc ou le jaune s'en va. Comme les truffes qu'on va faire une prochaine fois. On va faire une omelette après. Waouh, magnifique. Voilà, donc maintenant, on va en bas et on remonte. Enfin, pour pas. On remue par en bas en fait. C'est le seul moyen de ne pas casser les œufs. Là. Donc ça a l'air super bon. On attend vraiment que tout se mélange hyper bien. Donc on vous mettra dans les commentaires... les ingrédients, les ustensiles... Ouais, la recette, et la recette. Peut-être. Et aussi le temps de cuisson, de préparation... Enfin, oui, de cuisson, oui, il n'y en a pas vraiment, mais... Cuisson, préparation, repos... Et... Tout, quoi. On va s'amuser à tout écrire. Alors peut-être vous regarderez même pas. Donc je pense que c'est bon. Oui, on va dire que ça va aller. Donc maintenant, il faut mettre 2 heures au réfrigérateur. Ou au frigo. Ouais, ça revient à la même chose. Donc, dès que ce sera prêt, on vous remontera. Salut! Voilà, donc ça fait 2 heures. Elle est assez consistante, elle est... Voilà. Donc, tu peux me tenir la caméra? Merci. Alors en fait on peut maintenant par exemple mettre dans des petits bols. Enfin après vous le... Toujours très délicatement parce qu'il y a toujours les blancs dedans. Donc ça... Voilà. Voilà. Et maintenant tout ce qu'il vous reste à faire c'est déguster cette délicieuse recette. Donc, à bientôt. Nos prochaines recettes, ce sera... des truffes au chocolat. Peut-être autre chose. On verra. Vous verrez sur le moment.
Donc, ou peut-être un repas, un petit truc tout simple, une salade ou quelque chose, n'importe quoi, on verra bien. Donc, bah, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!